remet bon boule, ou remet en des belles analyses, eh bien, abonnez avec Chanel Bladi Infosport. Ça qui belle dans Chanel YouTube Bladi Infosport, gagnez commentaire, analyse avant match, décortiquez match football pour pas de l'autre côté que Bladi Infosport. C'est cette vidéo qui me lit pire, qui dit ou ça. Abonnez avec Chanel YouTube Bladi Infosport, partagez vidéo nous pour plus de monde capable de toucher par Chanel YouTube Bladi Infosport. Weekend ça, pral gagne un méga choc en Angleterre. City contre équipe Liverpool. Là. Ou du moins, Liverpool contre équipe City, hein, parce que c'est pral dans Anfield là, 28e journée. C'est seulement un point qui sépare deux équipes football. Ça, c'est pral un méga choc. Avant match ça, gagne Trent Alexander-Arnold, latéral équipe Liverpool là, qui parlait sous City. Gagner deux joueurs City qui répondent à Alexander Tetervol. Nous prenons la bonne déclaration joueur Sayo. Et gardez ça que fait Jodian City, c'est une référence dans le football européen. Et Jodian, c'est la meilleure équipe qui gagne sous City. Mais nous disons que Tatapsen, c'est le meilleur côté pour vous l'argent par les familles et les amis en Haïti. Famille ou bien amis qui en Haïti, juste besoin de un compte mon cash qui est logé. Ou même qui l'autre bois, téléchargez l'application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible pour vous l'argent par les femmes ou examen en Haïti. C'est 4 débits ou à utiliser. Automatiquement, ou même quand vous voyez le ou utiliser pour mon code moyen qui c'est KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou à gagner $15 sur première transaction. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store pour capable placer par sportif ou par simple, par multiple, par combo. Et puis l'autofoot qui se mariage bolette avec un match de bol. Sumfo TV, c'est compagnie ça qui permet que vous gagnez plus passer 10 000 chaînes pour enjoy match football. Being Sport, RMC, ESPN, ou pas de problème avec Sumfo TV. $20 américains le mois, peu importe quoi vous dans le monde, il suffit qu'on ait un bon signal internet ou qu'on mette l'application sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans la chambre. Relay compagnie dans le numéro ça, 912-436-0222. City, c'est jodi an meilleure équipe qui gagne en Europe. C'est champion en titre dans la Ligue des Champions 2022-2023 et c'est favori numéro 1 pour gagner la Ligue des Champions 2023-2024 au regard de sa équipe-là à pratiquer comme football et volume talent que l'équipe football ça gagne là-dedans. Weekend ça, yo pral jouer contre l'équipe Liverpool là dans Anfield Road là. Liverpool a poursuivre l'équipe City. C'est seulement yon green point qui sépare deux équipes football ça. Avant match football ça gagne joueur important équipe Liverpool là, Trent Arnold qui déclarait que malgré l'équipe City a gagné plus de titres que Liverpool, on parle de City période Pep Guardiola, Liverpool période Jurgen Klopp là bien sûr, parce que pas gagné photo regarder histoire de équipe football ça. Maintenant, si on a parlé de ça qu'a fait jodi là, City c'est une meilleure équipe que Liverpool, réalité du moment ou bien 3-4 dernières années, ou bien 5-6 dernières années, sa équipe là même li fait dans la première ligue. Eh bien, Trent Arnold déclaré que malgré l'équipe City a gagné plus de titres que yo gagné plus de considération pour titre Paywa parce que l'équipe City a dépensé en pile l'argent pour arriver à gagner tout titre ça. Gagne deux joueurs City qui répondent à Arnold pour faire Arnold connaître que le ou pas qu'on fait tripler ou pas qu'on ait sensation ça. Alors on dit, moi dans City depuis un an, saison 2023-2024, deuxième saison à l'Under City, je dis, moi j'ai fait tripler. C'est seul monde
qui une sensation triplée cap connait ça qu'on triplé. Liverpool pas fait triplé classique. Et Arnold pour qu'on fait tout l'équipe Liverpool là t'es fait un triplé mais c'est pas classique là. Là me parler de triplé classique, me parler de coupe, championnat, Ligue des Champions. Liverpool en 84 t'es gagné coupe de la Ligue, de t'es battu Everton avec Graeme Smith. Yo gagné Ligue des Champions avec Joe Fagan comme entraîneur. Yo gagné championnat. Équipe ça à l'époque qui t'es gagné Sir Kenny Dalglish, t'es gagné Galois, Ian Walsh qui en 84 t'es soulier d'or européen. Et c'est meilleur buteur de toute l'équipe Liverpool là. Club qui fait triplé classique, c'est Celtic Glasgow en 67, Ajax 72, PSV 88, Manchester United 99, Barcelone deux fois, Bayern deux fois, Inter de Milan, seul club italien qui fait, et puis Ville Manchester qui gagnait deux clubs, United et puis Manchester City. Donc, les deux trip sous Arnold, parce que yo même yo fait triplé, Arnold pas fait triplé avec Liverpool sur en saison. Yo dit c'est mon qui fait triplé déjà qui a connu sensation ça. Guillaume qui est très important dans cas City. City c'est pas une équipe traditionnelle. Le fait que City pas une équipe traditionnelle, Livin fait des zones dans Kaila. Kaila qui était bien établi avec club traditionnel. Par exemple, United, Liverpool, c'est deux clubs traditionnels. Gain l'autre club traditionnel en Angleterre qui est très respecté. Newcastle, c'est un club très respecté. Aston Villa, par exemple, c'est un club très respecté. Supreme Londres, qui gagnait plusieurs clubs de première division. Arsenal, c'est un club très respecté, c'est un club traditionnel. Donc, City, Vini, Jean Chelsea, t'es Vini. Hein. Avec Roman Abramovich qui vient dans Chelsea, en 2003, et puis, nous, ouais, succès Chelsea. T'es gagné en pile bouchon. Parce que c'est pas un club traditionnel. Monsieur Petro Doulario vient investir des centaines de millions de dollars. Et puis, il mettait une équipe très compétitive qui mettait McLean en première ligue là. Chelsea 2005-2006. Projet Sétillan, c'est Monsieur Orianyo qui vini, Monsieur Emirayo. Son projet commence avec Robinho. Ensuite, donc on est Kaka te capable dans Manchester City. Par la suite, il est allé dans l'équipe Real Madrid là. Tout l'autre jour passé dans City jusqu'à ce que City vienne prendre premier championnat en 2012, prend deuxième championnat en 2014, et puis la domination de Manchester City avec Pep Guardiola. Manchester City, c'est club en Angleterre que journalistio plus exigeant envers lui. Plus exigeant envers City, voulait dire que gagne un regard sur Pep Guardiola qui est différent de Jurgen Klopp, par exemple. Manchester United, son équipe qui n'a pas campé son 1 depuis 2013. Mais, ou presque, il y a une sensation que le City fait un mauvais match ou bien non spirale de mauvais match, lui fait plus bruit en Angleterre que Manchester United qui pas champion en Angleterre depuis 2013. Quand il est là, là c'est petit, faut qu'on bat pour intégrer dans la cour grand. Ça que City a fait là. Mais quand il est là, sous garder en Angleterre la presse anglaise, yo focalisé en pile sur faux pas City, sur défaite City non match de première ligue que United par exemple qui gagne des années qui pas
champion en Angleterre. Et il y a une série de espaces médiatiques en Angleterre, c'est des anciens de Liverpool, des anciens de Manchester United qui ont dans espace médiatique ça. Gary Neville par exemple, Jamie Carragher par exemple. Et exigence dans tout fait sous Pep Guardiola. City fait un bagage historique. C'est seul City avec Manchester United qui fait ça en Angleterre. Dans la première ligue là. À savoir, remporter 3 championnats une couleur club. United fait ça 99, 2000, 2001. Et même United ça fait ça 2007, il fait ça en 2008, il fait ça en 2009. 2010, c'est Sheffield champion. Donc United fait ça deux fois. Manchester City fait ça. Saison 2023-2024 là, c'est une saison qui est très difficile pour l'équipe City hein, au regard de difficultés que vous avez fait face à Cli dans la saison. Hein, plusieurs matchs sans victoire pour l'équipe Manchester City. Hein, défaite contre l'équipe et Aston Villa. Match nul contre Tottenham, match nul contre l'équipe Liverpool, là, match nul contre Chelsea, c'était quand même un mauvais moment pour City. Mais arrivé contre Liverpool, a eu une longueur de moins par rapport avec Red Dew. Maintenant, exigence autour de Pep Guardiola, faut qu'il toujours gagne, 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 gagne. Et si pas t'as gagné titre pour 2023-2024, là, dans le jeu en pile monde, c'est après un échec. Pendant, Pep Guardiola réussit côté une série d'entraîneurs échoués à City. Il était commencé à échouer. Mais au final, il finit par triompher dans la Ligue des Champions. Maintenant, l'Obre en Angleterre, Pep Guardiola avec Manchester City, c'est 5 titres. Pendant Jürgen Klopp, c'est yon green titre. L'homme parle de Liverpool club traditionnel là, bah j'en oublie. En 2022, City prend championnat d'Angleterre là. C'est Jürgen Klopp qui finit meilleur entraîneur. On est là, on pas capable de récompenser en deuxième. Pendant premier champion Agbrio sous deuxième. L'homme dit champion Agbrio, c'était quand même un championnat qui était sur le fil. Mais son bataille n'a pas mené. Il passe devant. Mon champion, c'est moi qui meilleur. Et si on prend Pep Guardiola, par exemple, saison dernière, c'était champion. Liverpool, pas joué Ligue des Champions. Ou après, en Angleterre, pression qui a gagné sur City, par exemple, s'il n'est pas top 4 en Angleterre, pas de pression ça sur Liverpool. Alors que Liverpool font saison catastrophique, saison dernière. Qu'est-ce qu'on a parlé de l'argent? Effectivement, City dépense en pile comme. Mais Liverpool, tout pas innocent dans les dépenses qu'il a fait. Darwin Núñez, c'est 100 millions d'euros. L'autre prend Dominique Szoboszlai. Ou pren Naby Keita, ou pren Fabinho, Thiago Alcantara, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson. C'est pas tika skop que nek sa ouvini. Et gon période que Klopp te dit lui-même, li parolik pral mette 100 millions euros son joueur. Mais Liverpool fait sous égide Jürgen Klopp avec Darwin Núñez. Et puis, grand pile équipe qui dépense en pile l'argent, mais qui pas arrivé faire résultat. Que mon attendant. Par exemple, Paris dépensait des centaines de millions d'euros. Est-ce que gagne Ligue des Champions? Mais non. Comme il fait dans la Ligue des Champions, yon seul. On a grand pile comme, même pas comment pour utiliser l'argent. Et puis, on bagay qui est clair. Liverpool dépensait en pile l'argent tout.
sous période Klopp là. Gay transfert 100 millions d'euros. Alisson Van Dijk. C'est plus de 70 millions d'euros pour gardien et puis défenseur qui ont époque défenseur qui t'es piché. Donc on ta gagne comme mais qu'on est là faut qu'on gagne intelligence pour comprendre comment pour utiliser le. Et puis Under City en tous ces peuples qui construit ça. Jean-Jorgen Klopp construit pas là. Pep vin jeune Kevin De Bruyne, il vin avec Gundogan et puis tout reste n'est que c'est lui qui vin avec. Pep qui tout mérite lui comme entraîneur. Il pas un club traditionnel, c'est type un club traditionnel, c'est vrai c'est commencé gagner mais pas de gagner dans dimension que Pep mettait là. Le entraîneur capable non championnat d'Angleterre imposer dans dimension ça niveau de difficulté côté obligé à aligner plus passer 10 victoires 18 victoires une collée à l'autre 13 14 victoires une collée à l'autre c'est extraordinaire. Et puis combien joueurs du classement mondial que Pep Guardiola a gagné dans mail en dans équipe City hein, que il prend Kevin De Bruyne pas un joueur de classe mondiale. Tout le monde est dimension. Ou bien déjà, tout le monde est dimension. Mais est-ce qu'il était con un joueur de classe mondiale? Mais non. Foden ne vient dans City. Bernardo, bel joueur dans Monaco. Est-ce que Bernardo était un joueur de classe mondiale avant ça? On est capable d'aller plusieurs autres fois dans City. C'est en bas mes peps. Qui bâtit yon machine nan ap genye, jou sa yo, vin genyon standard, parce que niveau de production yo élevé, en dan équipe lan, genyon entraîneur qui compte comment pour tirer le meilleur de jou yo, talent est déjà là, c'est pas Pep qui apprend yo contre le football, yo te déjà contre le football, genyon te commence à briller dans le club yo, mais en dan projet ça, côté que chaque pion, qui vini en de équipe là, li pote contribution pal pour faire une vraie équipe très compétitive qui plané sous première ligue là. Jodi an là, City c'est meilleure équipe qui gagne en Europe. Et on ne va pas être non menti. Dans la Ligue des Champions 2023-2024 là, favori numéro 1 pour gagner la Ligue des Champions. Soit parler strictement football ou pas non question de tradition. Si c'est une question de tradition, Real Madrid favori numéro 1, Bayern favori numéro 2. Quand on soit parler de football, qualité, équipe, City c'est favori numéro 1 Ligue des Champions, c'est équipe que l'autre pas taré mais croisé. Même Jean tout Pep Guardiola pas taré mais croisé Real Madrid tout. Mais quand il là entre Real Madrid et City, qui est-ce qui est favori? Sous prend strictement football, c'est City. Et puis, bon bagage que City vainc. City vainc la peur. Dans un film que les gladiateurs, avec Russell Crowe qui prend Oscar meilleur acteur, il y a Joaquin Phoenix qui joue le Joker, nous connaissons ça. Eh bien, le monsieur a défié Maximus. Je dis Maximus, ou pensez me kapè ou? Maximus dit que ou peut pendant toute vie ou. Jodi an la, si n'a pran strictement football, si ti vèk ça. Qui ça si ti vèk? Malédiction te empêché li rive Canara. Qui c'est? Peur finale. Pression sous dos. Pep te dit ça. Pep dit li plus facile pour l'équipe City hein, quand yon deuxième Ligue des Champions. Le te dit ça, le exactement pour que ça te dit. Parce que l'opre en premier, li capable de conquérir ketchup, ou peser la descente. Ou 20 difficultés ça. Eh bien, City, avec ça, li plus facile qu'on est là pour City aborder match parce que pression finale, pression ça que tout le monde a fait critique sous li. Li arrive gagner
Et même le under final, si tu t'es crispé, si tu t'es un problème, et tu as manqué bon sou City, il y a ça. Il y a mieux aborder final si tu as fait final. Et je dis, c'est number one team qui gagne en Europe. D'abord, ou capable de gagner l'argent, mais par contre, comment vous utilisez-le? La première chose, c'est battre bravo pour l'administration City. Beguiste, Soriano, Dem Football, qui prend Pigo entre les 9 joueurs là, c'est Pep Guardiola, qui bat l'équipe là. Et qui ça que fait City a triomphé? C'est le temps qui fait ça. Échec contre Lyon, c'est révocation. Échec contre Tottenham, c'est révocation. Perdu dans la finale, c'est révocation. Eh bien, c'est le temps. Time will tell, c'est le temps de City ça. Parce que vous êtes quoi dans le projet? Vous êtes quoi dans l'entraîneur? Vous bail entraîneur à un joueur que le besoin. Entraîneur à tout tirer le meilleur du joueur que le besoin. Et je vous dis là, c'est son machine. Donc, Arnold lance Matsa, je vais répondre à Arnold, mais Liverpool dépense en pile l'argent tout. Ce n'est pas parce que Liverpool pas dépense en pile comme. Mais, il y a un entraîneur qui plus comment pour gérer le championnat que tout entraîneur sous circuit là, Pep Guardiola, et limiter une machine de guerre sous pied qui c'est équipe Manchester City, qui c'est équipe tout le monde veut défier. Parce qu'on a la sensation que le City fait quelques faux pas, c'est réel, c'est donc l'équipe qui va déjà gagner. Alors que le United gagne plus de 10 ans par champion, le Jurgen Klopp fait saison blanche avec Liverpool, pas qualifié pour Ligue des Champions, où est ça calme, ça montre dans quelle dimension que le club traditionnel, il a gagné Macio, il a gagné Precio, ça montre tout. Traditionnel, là, pour nouveauté paraître, pour le faire tête li en place, pour le faire tête li yon bagay que ou a besoin, li mande temps. Et c'est le temps qui fait jour d'yan là, City c'est meilleure équipe qui gagne sous sécurité. L'automobile, tap tap sen, moi dis nous ça, vous là, j'aimerais famille nous, examine nous en Haïti, à travers tap tap sen. Utilisez pour mon code qui m'a été. Hein? C'est pas j'en oublie ça, utilisez pour mon code qui m'a été. Hein? Et vous avez $15 sur votre transaction. Stream Fortify, 912-436-022. WMI Fontaine Immigration Service, c'est Betty Fontaine. Tout ça gagne rapport avec Immigration, c'est Betty Fontaine. Asile politique, TPS, résidence, c'est Betty Fontaine. 754-740-4399. Entouch Assurance, ou même quand vous venez d'être fait dans Naples, ou est-ce que vous avez bien marché, vous avez accès à Entouch. Il est dans le numéro 407-704-4743. Et puis, John Early Service, 561-639-1387, rangé crédit ou dans John Early, ou bien visitez le website là, www.johnerly.com.